Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron et bienvenue pour ce sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 4. Et oui, j'ai encore changé de décor, je sais, je suis revenu dans mon appart étudiant et c'est tout moche, je sais. Alors la dernière fois, je vous avais laissé fin de guerre, donc là j'ai attendu pour une nouvelle guerre, j'ai fait un petit peu de préparation, j'ai entraîné des unités, j'ai rempli mes différents forts, mes différents bastions, tout ça. J'ai essayé en tout cas de le faire. Et finalement, une nouvelle guerre s'est déclarée, si je me souviens bien, entre le royaume des Nords et des Rodoks. Et donc, cette fois-ci, j'en ai marre. Pas de quartier, hein. J'ai été gentil jusque-là, mais là, on va vraiment leur rouler dessus. On va finir de leur piquer ce qu'il y avait, ce qui restait du sultanat des Saranides, en fait. On va leur récupérer ça. Ensuite, on va repasser pour récupérer ce que nous, ils nous ont pris. Et enfin, on va leur rouler dessus. Ça peut être pas mal. On va pas tout faire dans cet épisode, mais je pense qu'on va faire des trucs sympathiques. Allez, c'est parti! Alors, donc, j'en étais là, je regarde mon groupe rapidement. J'ai des arbalétriers entraînés vétérans, sachant que les vétérans, ils montent en tireur d'élite. On va aller passer rapidement, je vais passer déjà à Dirim. J'ai commencé par passer à Dirim d'abord, avant toute chose. Récupérer des unités. Aller à Sargotte, mais à Sargotte, c'est chez les ennemis. Il y a toujours la nana que j'ai pas réussi à avoir. Bon, bah... Elle a encore, elle a quoi, 55 de relations avec moi. Ce que je trouve étrange, c'est qu'elle a toujours pas accepté. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, poster une garnison. Donc, on va poster des merdouilles, c'est-à-dire l'infanterie souadienne. Ça, j'en ai pas besoin. Les entraînés, j'en ai pas besoin. Les anciens entraînés, non plus. Les cavaliers, j'en ai pas besoin d'autant. Alors, on va leur donner pas mal de trucs. Et là, on va récupérer des unités plutôt fortes. Genre des sergents Rodok. Il n'y a pas des tireurs d'élite. Je regarde un petit peu ce qui est plutôt fort comme unité. On va prendre quelques arbalétriers vétérans quand même. C'est toujours bien les arbalétriers. T'as 20, tireur d'électrodoc, sergent soignant, ça peut toujours être utile. Les épéistes mercenaires, c'est pas mal aussi, si je me souviens bien. Là, on est bon, pas besoin de trop de cavaliers. On va repasser rapidement à Almar, récupérer des unités. Parce qu'on n'est pas à beaucoup d'unités, là, clairement. 73, j'ai vu mieux. Alors. Là, on va en récupérer d'autres. Voilà, les sergents Rodok, 37. On va peut-être pas vous prendre autant, mais on va en prendre une bonne palanquée, hein. J'en ai combien? 36. Allez, allez. Allez, allez. Des lanciers vétérans, on va monter un petit peu. Je vais voir. Des tireurs d'élite. Des tireurs d'élite, ma gueule. On en a besoin. Ça, c'est l'équivalent des sergents Rodok, mais pour les archers, c'est plutôt fort. Qu'est-ce que je peux prendre? Bon, chasseur de primes, j'en ai rien à foutre. Autant de prendre des meneurs d'esclaves au cas où. C'est vrai que j'aurais plus beaucoup d'unités à canasson. Méfiance. Là, 122. Tireur d'élite soignant, ça peut être pas mal. Il s'améliore en rien. Oui, oh, il s'améliore en rien. Ah non, c'est des fantassins que j'ai mis. On va prendre quelques-uns. Voilà. Zut, je voulais prendre un peu de nourriture avant. Parce que là, pour le coup. Ah, oh, c'est bon, j'ai encore de la nourriture, mais bon. Ah oui, j'ai aussi un masse de thunes. J'ai la blinde, j'ai la méga blinde. Alors, maintenant, on va pouvoir aller rapidement au château de Terramar. On va commencer par le château de Terramar. On va aller récupérer les différents châteaux. Ça peut être plutôt pas mal. Assiéger le château. Tour de siège. Alors, en espérant qu'ils me prennent pas tout, donc ils ont Ulskald, Bellucayavan, donc dans l'idéal, faudrait pas qu'ils m'attaquent mon dirim. Parce que là, je vais un peu galérer. Après, on s'occupera du château de Charrois, là. Ça ira bien. Allez, encore plein de thunes. J'ai tellement de thunes. Je suis riche. Je suis tellement riche. Allez, fini mon truc là. C'est bon.
Allez. Ça y est. On va y aller. Je vais regarder combien il y avait d'unités en face, mais ça va être bien drôle. Alors, le tout, c'est qu'ils crèvent pas tous. Pouvez pas reculer un petit peu? Mais oh! J'ai dit reculer, pas avancer! Attends, quoi? Mais merde! Et si... Reculer, mais... J'ai mis reculer, ils sont tous avancés! Je sens qu'on va encore perdre un max d'unités, bêtement, parce que l'IA de ce jeu est quand même particulièrement terrible. Et moi j'ai pas trop envie de perdre trop d'unités. On a perdu combien déjà? 3 morts? Ouais, super. Super mes cocos. C'est super fun. Bon, voilà. Je vais prier pour que tout avance bien. Mais qu'est-ce qu'il fout devant? Mais sérieusement. Ah, et je perds mes compagnons que j'ai équipés. Oh là là. Oh, bande de trous à chiottes. Bon, on y arrive, mais j'aurais perdu. J'ai 11 blessés et 11 morts, j'ai pas encore tabassé un seul mec, mais sérieusement, si c'est pas un méga avantage, je sais pas ce que c'est quand même particulièrement stupide. Mais regardez ça, je perds toutes mes unités, je les ai même pas encore tabassées. Déjà, on commence beaucoup trop loin sur ce mode de jeu. Et puis, c'est quand même particulièrement stupide. Oh là là. Ah. Voilà. Game on. Comme dirait Sherlock. Alors, faut éviter de se faire tuer par les autres brutines en bas. Bon, 15 morts contre 33, c'est quand même mieux. C'est pas ouf, mais c'est quand même mieux. Quoi? Oh, casse-toi. Alors, ça, c'était pas prévu. Ouais, je vais avoir un problème à descendre comme ça. Je vais avoir un très gros problème. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous foutez, sérieusement? C'est quand même les pires trous du cul des mecs avec moi. Hein. C'est censé être des super unités, mais alors qu'est-ce que c'est des nuls? Allez, on va descendre, hein. Mais... Dans quel univers je t'ai pas eu? Hein? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bon, calme-toi! Gros problème. Ouah! 21 points! Tu m'expliques? Putain, 68. Oh là 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 là. Sérieusement?
La campagne militaire, on s'en fout. On arrive bientôt, mais osez me dire qu'il n'y a pas de bug, hein? Osez me dire qu'il n'y a pas de bug sur ce satané jeu de merde. Oh. C'est tellement buggé. Le mec, il vole, c'est débile. Alors, on en est où? Allez, on y est presque. C'est quand même bien l'enfer, hein. J'ai eu un mort, trois blessés pour deux morts en face. C'est quand même bien idiot. Mais moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que la prise de château, c'est quand même beaucoup plus difficile que la prise de gros édifices comme les villes. C'est-à-dire, les villes, c'est censé être fortifié. Enfin, c'est dans une époque où les fortifications des villes doivent être vraiment impressionnantes. Les châteaux, ça doit être un peu comme des avant-postes. Et pas des trucs aussi imprenables que ces satanés châteaux qu'on essaie de se faire, là. Attends, mais regardez. Sérieusement, 10 contre 3. Et voilà, ils m'ont rempliqué tout le monde, c'est super. Alors, j'ai des pertes de FPS sur ce jeu, c'est quand même étrange. C'est pas hyper normal. Bon, alors, combien ils m'ont pété d'unités? Allez, c'est bon, ils m'en ont pété beaucoup trop. Allez, dis-moi que c'est arrivé. Allez, on va pouvoir y aller. Quoi? Mais ça sort d'où ça? Faut que je puisse passer, faut que je puisse passer. Putain, mais oh! Mais. Il y a bien quelqu'un? Quoi? Il a disparu? Putain, mais ils m'ont défoncé! J'ai pas compris! Ok, c'est la merde. Le Karkhanat a déclaré la guerre avec le Royaume des Nords. On a deux guerres sur le front, ça va être. Oh lolo! Pas simple. Ah putain, ils m'ont défoncé! J'ai pas compris! J'ai pas compris! Château Thibault, mais je m'en fous des châteaux. C'est trop la merde, les châteaux. Je déteste les châteaux. Bon, allez. Ils sont plus beaucoup, ils sont plus qu'une trentaine. Nous, on est beaucoup plus qu'eux. À moyen qu'on arrive à faire quelque chose. C'est juste que je vais encore devoir attendre 5 minutes, le temps que bah, le machin arrive jusqu'au bout. C'est super. Bon, allez, on arrive au bout. On va pouvoir y arriver. Un jour ou l'autre. Oh, 0 point de dégâts, mais sérieusement. Je l'ai eu. Ah. Allez, ça va s'ouvrir. Oh, le mec s'est tourné. Essayez de m'en mettre une. Bon, allez, cette fois-ci, on l'a fait. C'est bon, on va y arriver. Ah, j'aurais galéré pour pas grand chose encore une fois. Oula, 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 oula. Oula, oula. En vrai, non. Attends, mais je fais tellement de dégâts là, c'est bon, il va pouvoir crever. Mais j'inflige 46 points de dégâts par 46 points de dégâts. Et me dites pas qu'il. Pousse-toi! Mais. Voilà.
Oh. Il en reste? Ou qu'est-ce qu'il en reste? Là-bas, je crois qu'il en reste. Ah, putain, de merde! Oh, merde! Je suis vulgaire, je sais, mais quand même! C'était particulièrement long pour pas grand-chose. Ta mère! Nombre d'unités que j'ai dû perdre. Bêtement. Une trentaine au total. Alors, Firentis, tu me sers à rien, je vais augmenter ta force. Voilà, ton athlétisme, c'est bien, voilà. Donc, toi, c'est fait. On va retourner à Alma récupérer des unités. Putain. Quand je pense qu'il faut remettre la même, mais sur un autre. On va récupérer des arbalétriers entraînés, des lanciers entraînés. Des arbalétriers vétérans. Des épéistes. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes que je pourrais recruter ici? Imra, non. Épéistes mercenaires, oui. Askid nomade? Ah, des poèmes. Ah oui, d'accord. Je peux pas apprendre de poèmes parce que j'ai déjà tout appris. Voilà. Allez, on y va. On va essayer de se faire le château de Charroi, là. Et une fois qu'on aura fait ces châteaux, on sera plutôt bon. Oh là, le château de Charroi, il a 234 personnes plus 10... 65 archers saranides. Oh. Ah mais c'est des archers saranides, c'est pas des trucs rodoc. Oh, il y a moyen en fait. Bon, c'est une tour de siège à faire. Allez, c'est parti. Enfin, la phase de hérisson est terminée. On va pouvoir y aller. La phase de hérisson, c'est celle que où en fait on fait que attendre comme un con en se faisant canarder comme des abrutis. Et en essayant de survivre le plus longtemps possible. C'était pas si mal finalement, on a eu quelques pertes, mais c'était surtout des assommages, c'était plus que des morts. Alors le tout maintenant, c'est de pouvoir passer sans se faire tuer par les mecs qui sont à côté. Il faudrait qu'ils ouvrent un peu l'espace en fait. Oh oui. Oh oui. Allons-y. Allez, on y va. Ce qu'il y a de bien avec les trucs saranides, c'est que c'est des grosses bites. Bon, le tout c'est de pouvoir arriver à taper quand même, parce que mon perso était bloqué dans une position et j'arrivais à rien. Allez, maintenant on va pouvoir faire des trucs. Shit just got real. Mais alors, va falloir m'expliquer pourquoi mon perso fait toujours la même attaque. Alors que je fais exactement le même mouvement que d'habitude pour pouvoir taper correctement. Oh, ok. Alors, va falloir descendre maintenant. Si possible, pas tout seul. Là. Faire gaffe au boubou. Voilà. Là, se mettre là, ça va être dangereux. Je sens bien les rip-hop bien, bien intempestifs. Genre ça. Allez, vite, les éliminer. Avant de se faire tuer. Allez! Voilà.
Ah! Alors, je sais pas, ils ont un don pour popper exactement au même endroit. Je pensais que c'était une zone de ripop qui était fixe et déterminée, mais non. Il semblerait que non. Alors, je vais courir comme un con. Alors. Putain, mais j'arrive à rester en vie en plus. Et j'ai. Oh la vache, je suis arrivé à rester en vie. Oh là là. On a tué 104, on a perdu. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Faut pas que je meure, parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Mais, saloperie! J'étais en train de te faire un massacre. Bon. Du premier coup. S'il vous plaît. Respectez-moi. Ah non, mais il reste encore. Ouais, bon, ça va. À mon avis, tu nous rétanches. Ah, il en reste un. Bon. Ça y est. Nous y sommes. Nous avons réussi. Ah, j'ai perdu la masse de sergent quand même. Hein. Nous y sommes. Ah, bah voilà. Bon. Ça fait combien de temps que j'enregistre? Oula, ça fait 40. Bah, encore super long. Hop, j'ai juste augmenté les compétences. Ah, Mattel, faudra que je vérifie. J'ai plus le papier sous la main, je le ferai la prochaine fois. Donc, ça y est. Normalement, il y a beaucoup de verre. On va pouvoir revenir gentiment à Almar. Nous remettre un petit peu de nos blessures. Et on va essayer de s'occuper un petit peu du reste. Sachant qu'on est en guerre avec un autre royaume, si je me souviens bien. Royaume des Vaillir, je crois. Je sais plus. Faudra que je vérifie. En tout cas, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait actuellement. Je pense que on est plutôt pas mal. On va passer rapidement à la taverne. On n'a pas perdu énormément d'unités. Voilà. On est plutôt bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. La prochaine fois, on s'attaquera encore à la suite, tout simplement. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo, à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, et puis on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous, portez-vous bien.